Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Fallout 3, on est au 47e épisode. On va essayer justement de se mettre tranquillement. Alors, on va essayer de tuer ce saligo. Merde. D'accord, one shot, ça c'est cool. Comme ça, les autres vont arrêter de nous embêter, hein, parce que bon. Depuis tout à l'heure, je me fais troller par le jeu, parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de faire la vidéo. Ce qui est un peu embêtant. Soit je me fais troller par, par les mods, donc j'ai dû enlever certains mods. Donc il y aura un peu moins d'effet de lumière, mais bon, ce n'est pas très grave. On fera avec, hein, bien sûr. C'est pas trop grave. Et il y avait aussi Action qui me trollait, soit qui avait des bugs au niveau des épisodes. Donc en l'occurrence, j'avais une coupure un petit peu comme j'avais eu précédemment avec Action. Hein, et ça me dérange beaucoup. Mais pas que. On a aussi les personnages de Fallout qui m'ont trollé. Justement, ces fameux. Enfin voilà, le Temple de l'Union me troll. Et j'aimerais bien finir cette quête annexe du chef d'État. Donc, chef d'État, j'ai vraiment envie de le finir. Pour être tranquille. Mais je ne sais pas si le jeu a envie que je la fasse ou pas. Je pense qu'il veut pas que je la fasse, mais je dois la faire. C'est comme ça. Donc ça fait plus de 3 heures que j'essaye de finir cette quête. Soit je me faisais bloquer parce que je n'avais pas fini la quête principale. Maintenant elle est terminée, donc on est tranquille. Parce qu'ici, si vous en rappelez bien, on n'avait pas justement tout ceci, hein, au Jefferson Monument. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Non, c'est ça, j'espère que. Waouh, trop fort. Non, Mémorial. C'est pas Monument, mais c'est Mémorial. Bon, on y était presque. Et ici, en fait, on n'avait pas toutes ces. Enfin voilà, tous ces barils. Qui sont en fait des barils d'aqua pure. Donc ils ont. Aquapura. Alors d'accord. Aquapura. Et quand on va sur un truc. Ah d'accord, c'est Aquapura. Donc en fait, ils ont voulu mettre le. Eau purifiée, mais en espagnol. Pourquoi pas? Porque? Porque no sé. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. On fera avec. C'est pour faire un effet de style comparé à eau purifiée. C'est comme cristalline, ça coule de source. Non, mais là, j'attends vraiment qu'ils arrivent. Et c'est vraiment long, hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont vraiment très rapides, donc voilà, hein, on va attendre. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, mais on va devoir faire avec, hein. On va devoir faire avec. Un hein, canigou. Mon petit canigou, il est beau, hein. Regardez, il est beau, mon canigou. Je le pointe et il s'assit. C'est bien. Là, il se relève. Et là, il va courir. Cours. Cours, mon petit toutou. Cours. Voilà, il court. Je suis obligé de m'amuser avec mon toutou. Et encore, on n'a pas de babal. Il peut apprendre à jouer à la babal, à votre avis? Ah, mais là, cet épisode va vraiment être. Enfin, voilà. Hein. Superbe. Parce que ça va être deux tensions. Comme d'hab. Bon, j'espère vraiment que là ça va fonctionner. Que le jeu va arrêter un peu de me troller quand même. Bon, à mon avis, ils vont passer par ici. Ils auraient pu passer un peu plus court, je pense. Mais bon, hein. Que voulez-vous, hein? Le Temple de l'Union, en fait, n'a pas envie d'aller vite. Il a plutôt envie de m'embêter. Alors, par contre, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que. Alors. Caleb, il est là. Je vous explique pourquoi il m'a trollé plusieurs fois. Première fois, il m'a trollé parce que le cher Hannibal a été dans l'eau. Donc du coup, après, impossibilité de les retrouver. Après, j'ai eu aussi la flotte irradiée sur la tronche. Donc, pluie d'irradiation. J'ai dû me mettre dans un bâtiment, donc celui-ci. Je me suis mis à l'intérieur du Jefferson, mais j'ai dû attendre une heure. Le problème, c'est que les personnes se sont barrées. Donc après, pour les retrouver, c'était ma cache. Et après, on a eu aussi, donc, juste ici,
On a fait en fait Caleb qui n'était pas dans le groupe. Et du coup, vous savez très bien que si on n'a pas Caleb et si Hannibal meurt, eh ben c'est échec de la quête. Donc c'est vraiment embêtant. Et j'espère que là ça ira. Parce que je vous dis, ça commence à être un petit peu chiant. Mais on fait avec. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie de le faire, Fallout 3, malgré qu'il bug. Je sais que c'est chiant, que c'est épuisant quand même à chaque fois de, ben voilà, tout le temps recommencer parce que c'est toujours la même galère. Mais je fais avec et j'espère que je pourrai le terminer. Et quand je l'aurai terminé, je pense que ça va me faire une bonne épine du pied qui sera sortie. Hein. Donc je sais même pas si je modderai, enfin si je joue à Fallout New Vegas, je sais pas si je le modderai. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Parce que s'il est aussi stable que le 3, ça va être la merde. Ah, c'était des franges. Ah ou non, ça c'est pas des franges. Qui m'a tiré dessus là? C'est qui m'a tiré dessus? J'y ai un fait moi. Ouais, je ramasse les cadavres. Ah. Allez, shootez-lui la tête! La tête, les amis! La tête! Il est mort! Bon, par contre, après, je vous laisse dans votre merde. Hein, parce que faut pas exagérer. Ah ouais, non, quoique. Je peux pas les laisser. Sinon, c'est trop la merde. Il va falloir que je les combatte, en fait. Hein. Parce que si eux les attaquent, ils vont les défoncer. De façon arcane. Bon, là, il va en avoir un. Je suppose. Oh, bonjour! Comment vas-tu, la brute? Tu es une brute? Moi aussi. Mais à ma façon. Tu vas mourir. Gigi, tu vas mourir. Alors, ce que l'on va faire, c'est aller voir. Ici, il y a quelqu'un. Décédé. Dommage. J'aurais voulu vous sauver, madame, mais. Apparemment, le destin n'est pas comme ça avec vous. Bon, on a récupéré des missiles, c'est plutôt cool. On va pas tout ramasser parce que j'ai pas envie de les reperdre de vue. Hein. Clairement. Surtout que là, bah, apparemment, ça bug plus trop. Donc j'espère que ça continuera comme ceci. J'espère que je m'avance pas trop vite en disant ça. Sinon ce serait embêtant. Pour le coup je vais même sauvegarder. Hein. On va sauvegarder. Ouais, nice. Ça fonctionne. La sauvegarde fonctionne comme vous avez pu le voir. On peut continuer et sauvegarder. Sans trop de problèmes. Si vous voulez. J'espère qu'ils vont bien continuer par ici. J'ai l'impression que la route elle est là-bas. Donc on va y aller. Surtout que là, on est vers la fin, normalement, de notre périple sur le Temple de l'Union. Donc, ça pourrait être sympa de finir, en fait. Le seul problème, c'est que je n'ai pas mon cher super mutant. Puisque je l'ai perdu. Donc, c'est un peu dommage. Mais, ce n'est pas très grave. Parce qu'à part le super mutant, j'ai quand même récupéré un énorme compagnon qui est Canigou. Et Canigou est très fort, en fait. Canigou est vraiment redoutable. Moi, je sais que mon Canigou à moi, il mourait souvent, enfin, il mourait rapidement, parce que c'était le début de l'aventure. Mais là, on l'a chopé vers la fin, et j'ai l'impression qu'il est badass, le toutou, quand même. Il est badass. Il résiste, mais comme un fou, hein. C'est un tank, hein. C'est pas un chien, c'est un tank. Bon, il lui manquerait plus qu'à tirer, et il est parfait. Non, franchement, il est super sympa, hein, Canigou. Mais il faut pas le prendre tout de suite, je pense. Il vaut mieux le garder. Et l'utiliser ben, vers la fin, je pense que Canigou pourrait être véritablement sympathique. Je ne sais pas si après ça se cale aussi avec notre niveau, je pense que oui. Parce que bon, on est quand même niveau 20 maintenant. Ce qui fait qu'on est quand même plutôt bien avantagé. Hein. Bon, on est à Rivet City, c'est là où le jeu
perd un petit peu de d'image par seconde, comme vous savez, de frame. Mais ce n'est pas très grave. On fait avec. Parce qu'il y a beaucoup d'effets de lumière, il y a beaucoup d'affichage peut-être pour le jeu. Puis comme vous savez, c'est un monde libre. Donc, ça peut arriver d'avoir quelques légers bugs. Rien de grave. Donc après, je suppose qu'ils vont aller par ici, je suppose, hein. Par contre, là, il y a un point rouge, ça me... Ouais, des fois, faut pas regarder, hein. Parce que vous voyez, hop, 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 hop. Coucou, coucou. Bon, on arrête. C'est sympa, mais on arrête. Allez, Canigo, vas-y, défonce-le. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Ah, compagnie talent. Bonjour, mon petit. Comment? Oh! Ah oui, d'accord. Ah, carrément, ouais. Il était pas content, Canigou. Hein. Il a défoncé Tiek. C'est qui? Vas-y, laisse-moi mettre tranquille à toi. Tu le laisses tranquille. Sinon, je te bouffe. Et voilà. Et il a mangé. Et il a raison. Moi, je dis la raison. Ce qu'on va virer, on va virer un truc, je sais pas, qu'est-ce qu'on a dans les armes qui nous sert à rien? Tu as un pistolet chinois, allez tiens, prends. T'as vu, je suis sympa, je te redonne une arme sur ton cadavre. Merde, la mine, j'aurais bien voulu la prendre. Tiens, prends une bière. Le mec, il en a rien à foutre. Les bières, what? Ouais, je m'en fous. Même si je pourrais l'avoir et avoir légèrement plus de force pour, allez, on va dire, quelques temps. 5 minutes. Bon, ouais, peut-être même moins, mais bon. C'est pas grave. Puis après, on peut être dépendant de l'alcool. Oui, comme dans la vraie vie. Mais non, on pourrait vraiment être dépendant dans le jeu et ça... J'ai pas de dépendance et j'ai pas envie d'en avoir. Parce que des fois, ben, si vous avez beaucoup de chance... Et moi j'en ai souvent beaucoup. Si vous prenez par exemple du psycho, bah vous pouvez déjà en être dépendant alors que vous en avez pris qu'une seule fois. Et ça c'est trop la merde. Parce qu'après quand vous avez des dépendances, bah vous avez des malus. Comme dans beaucoup de jeux, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est... Ça peut être très embêtant en fait. Mais véritablement. Bon. Attendons. Patiemment un signe de l'autre part. De leur part, putain. Putain, ça me manque là le. J'attends patiemment un signe de votre part. Il me manque hein, ce petit con. Là, il était vraiment. Vraiment très très fort le super mutant. Fakes. Fakes. J'aurais du mal à prononcer, je saurais l'écrire, mais je ne saurais pas le prononcer. Car mon anglais est très mauvais. On va attendre. Et dès que le premier passe, voilà, le premier est passé, donc normalement c'est bon. Toute la compagnie sera là. Voilà. Ne t'inquiète pas, tu pourras faire une école, tu pourras faire ce que tu veux avec tes cheveux. Hein, parce que nous on s'en fout. Nous on est juste là pour vous escorter et puis voilà quoi. J'espère juste que vous allez pas me casser trop les pieds. Tout ce que je souhaite. On va sauvegarder. Oui, là je vais faire souvent des sauvegardes quand même. Hein. Il faut pas. Enfin voilà, faut pas déconner. Ah, on a quand même 31 heures de jeu au-dessus. Hein. C'est quand même beaucoup. En sachant que j'ai 3 heures que j'ai perdu, on est à 34. Ça fait mal. Mais bon, ça, j'y peux rien. Malheureusement, c'est le jeu qui me troll. Et aussi les mods qui m'ont trollé. Mais les mods ont été enlevés. Pas tous. J'en ai laissé quand même pour qu'ils soient quand même un peu jolis. Mais voilà, j'ai dû en enlever. Ok, donc ils vont descendre de l'autre côté. Vous ne me dites pas tout. Ok, ça a été vidé. Ça veut dire que j'étais déjà passé par ici. Ok. Eh ben non, je vais plus être que toi. Oh!
Non, c'est bon, je me suis pas cassé la jambe. C'est plutôt sympathique. Voilà. Et après, je pense qu'ils vont continuer de ce côté-ci. Pourtant, je suis passé hein, ici le jour où j'ai dû attendre 1 heure. J'ai couru, hein. Mais ils n'étaient pas ici. Ils étaient clairement pas ici. Donc, attendez, il y a quelque chose? Non. C'est juste des papiers qui étaient athées. Des papiers qui étaient athées. Je suis un petit peu énergique aujourd'hui, hein, je vous l'accorde. Et après, il y a quelque chose d'autre ou pas? Quelque chose d'autre ou pas? Non? Yo, il y a des copains? Pas copains? Bon, tant pis. Non, moi, ils vont se mettre ici. Hein. Si on dit pas de bêtises, on va être là. On va les attendre. C'est vraiment énorme. Cette quête me fait très plaisir. Hein. Voilà, elle me fait extrêmement plaisir, comme vous pouvez le voir. Là, je suis tranquille. Je n'ai rien à faire. Juste attendre. Parce que de l'escorte, en fait, j'avais déjà passé dans ces coins-ci. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment d'escorte possible. À part. Quand on est vraiment dans les terres désolées, là peut-être que on peut éventuellement les sauver, mais voilà, c'est pas encore totalement ça, hein. Parce qu'il y a quand même quelques petits soucis d'ordre genre écorcheur, voilà, tous ces fameuses bêtes des terres désolées sont assez redoutables contre eux. Hop, allez, on y va, normalement on rentre. En quelques petites secondes. Foutage de gueule. Ah non, putain, il vient de passer. Il vient de passer. Oh là là, il est passé. Putain, Canigou, tu nous bloques. Canigou, tu nous bloques. Canigou, tu nous bloques. Canigou! Arrête de faire bugger le jeu. Oui, poussez Canigou. Poussez Canigou. Canigou, il est relou. Bah non, je fais pas attention moi. Un raider. Oh, j'ai pas coupé la tête au raider. La plupart des raiders ont la tête coupée hein, avec moi. Soit elles ont explosé ou soit la tête a coupé. Parce que c'est l'endroit le plus tendre, la tête. Pas du tout, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien les tirer dans la tête. C'est cool. Le SVAV, c'est vraiment sympa. Le SVAV. Alors, on n'est pas rapide. Il y a peut-être des munitions, non? On a tout chopé. Oh là là. On a vraiment fait les rapaces, quoi. Le pire, c'est que j'ai pas énormément de choses à faire. C'est ça le pire. C'est pour ça que ça m'embête en fait, parce qu'ils sont vraiment de tension. Hein. Vous voyez, on est à 18 minutes facile, enfin là on est à 19 minutes de vidéo et c'est très long. Ils sont véritablement très longs. Vous voyez, on a fait très peu de parcours. Il vient juste d'arriver là. C'est ouf. On fait avec, mais c'est ouf. J'aurais le temps de taper un roupie au bas. Oh putain. Hallucinant quoi. Allez. Canigou le molosse. Canigou le colosse. Bon, par contre, merci, mais non, merci, tu te dépêches quand même. Bon, allez, je vais marcher à la même vitesse que toi. Voilà, waouh, c'est trop rapide quoi.
Non mais là ils se déplacent vraiment comme des pépés. Moi je sais pas. Hein, je vais aller au Washington enfin, Monument. Moi vous inquiétez pas. Hein, je vais pas marcher. Hein, et courir hein, dans le jeu. C'est le jeu. Hein. En plus sont d'ailleurs post-apocalyptique. On peut se prendre peut-être encore une bombe nucléaire sur la gueule. Hein, et voilà en fait tout ce qu'on a fait, ben on est décédé. Et voilà, on aura tout perdu. Il faut vivre l'instant présent. Bon, là, normalement, on arrive bientôt à la sortie. C'est. Wow. Là, je vous dis, hein, c'est une action débordante. Waouh! Là là. D'ailleurs, après, je vais changer d'arme. Parce que je vais pas me balader avec un pistolet. Vais faire tout de suite, d'ailleurs. Je vais pas me balader avec un pistolet, j'ai préféré prendre. Est-ce que je l'ai encore le fusil à plasma? Fusil à plasma. Plasma. On l'avait un peu réparé. Enfin, on l'avait un peu réparé, ouais. Ouais, bah. Vous êtes de tension. C'est pas mal aussi, quoi. On va re-sauvegarder. Parce que bon, si on décède ou s'il y a un bug, je ne sais pas, hein, ça peut arriver. Vaut mieux être sûr que voilà de s'embêter. On va attendre. Là, on n'a pas d'autre choix. Ce qui est embêtant. Salut. Mais tu peux avancer. Bon, bah c'est bon. Si on les entend faire ça, ça veut dire que c'est bon signe. Et que, ben voilà, on peut continuer. Oh. Non, il pleut. C'est pas de la rade. Donc c'est plutôt sympa. Or, là par contre, vu que c'est la nuit, nous on va avancer avant. J'espère qu'ils savent où ils vont aller. Ça vient. Pas de rade, hein. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Parce que je dis ça pour une bonne et simple raison, hein, c'est que on est la nuit, il peut avoir des autres mobs. Parce qu'avec les mods, ça peut faire quand même spawn des super mutants dans la zone, je crois. Parce qu'on en avait eu supplémentaire, hein, des super mutants. Ils avaient tous tué, puis après on a re-eu, comme ça. Voilà, normal. On vous remet des super mutants, parce que bon, on a envie de vous faire chier. Non, j'espère pas, mais bon. Ce serait un peu embêtant. Bon, pour le moment, apparemment, il n'y a personne, donc c'est pas grave. On peut continuer tranquillement. J'hésite parce que je sais déjà, en fait, un petit peu ce qui va y arriver. Est-ce que j'irai pas d'abord voir les mecs, les massacrer? Parce que vous savez très bien ce qui nous attend. Je crois qu'on va faire ça. On va y aller. On va essayer d'aller au plus vite. On va pas s'emmerder. Je sais qu'il y a les autres qui veulent justement les esclaves. Bien sûr, on va pas les trahir. Hein. On va juste les tuer pour être tranquille. Ah. D'accord. Non, c'est juste que j'étais passé au-dessus d'une flaque. D'accord. Voilà, j'ai eu peur, hein. Sur le coup, j'ai eu les boules. J'ai eu les knacky boules. Non, ça va. Mais au moins, je serai tranquille si je peux enfin, voilà, m'avancer un petit peu dans cette fameuse quête. Fort sympathique. Avec de la faute sur la gueule. Alors, je vais juste faire ça. Après, on va retourner voir notre ami. C'est prêt? Qu'est-ce que vous faites à traîner dans le coin? Du calme, je cherche pas d'ennui. Ok, donc là, on est d'accord. C'est fait. Donc Canigou n'a pas été parce que, bon, Canigou serait capable d'y aller. Maintenant, on va juste aller voir notre cher Hannibal. C'est fait exprès, hein, ce que je fais. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tout
tout est déjà orchestré. Mais si on peut déjà s'avancer, je le fais, hein, parce que bon, clairement, j'ai pas envie qu'il meure, quoi. Je suppose qu'après, il va lui falloir des matériaux aussi à lui. Grâce à vous, nous pouvons. Nous allons. Oui. Allons-y. Quoi? Ah merde! Donc, ah! Non, c'est normal, j'ai compris, c'est normal. On va pas faire une reco, on va tous les tuer. Maintenant. C'est pas grave, quelques rades, bon. Si tu veux. Si j'aurais 5 rades, là ce serait la pluie. Mais là c'est une rade, ça veut dire que je suis tout près d'eau en fait. Enfin voilà. Toi tu veux mourir? Je dis toi tu vas mourir. Parce qu'en fait je vais devoir tuer tes compagnons aussi qui sont là-dedans. Hein, bien sûr. Qui ne nous ont pas entendu nous tirer dessus. Parce qu'ils sont cons. Alors, la grenade, on récupère, les munitions, on récupère, et maintenant on va aller là-bas et on va les massacrer. On va tous les tuer. De toute façon, c'est des méchants, parce qu'ils sont en rouge. Et le rouge, ça veut dire que c'est bien. Aïe, 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 aïe. Aïe, bobo. Mais arrêtez, pourtant je tanque. Bon, je tanque un peu, mais je tanque quand même. Et puis si vous m'embêtez, moi je sors mon lance-missile. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Moi, je suis comme ça. Vous m'embêtez, je sors le lance-missile. Waouh, hé, hey, tout doux, canaillou. Hein. Hé, hey, mon toutou, non, laissez mon toutou tranquille. Mon toutou. Laissez mon canégo. Canégo, il est gentil. Alors, vous laissez tranquille. Je crois qu'il l'a tué avant, en fait. Donc là, je suis un petit peu mad. Voilà, lui, on va le tuer. On va faire 1 et 2 et 3, 0. Bon, il y avait besoin que de deux coups, mais c'est pas grave. Hop. Et laisse mon canigo tranquille. Vous voyez, canigo qui tank. Je vous ai dit, c'est pas un chien que j'ai un tank. J'ai un véritable tank. 50 points à négrier. Cool. Laisse Kaniku. Vas-y, tue-le. Waouh, alors lui. Non, mais clairement. Et... Ah, d'accord, il y avait quelqu'un là-bas. Ah, tu l'as tué en même temps que moi. Ça, c'est cool. Oh. Lui. Je lui vole ses munitions. Ouais, je m'en doutais. Tiens, prends de la bière. C'est cool. Par contre, une armure de métal. Je vous avoue que... Bon, certes, on perd de l'agilité, mais... Ah, vous voyez? Là, on peut parler à notre copain. On va parler à notre copain. Hannibal. Parce que on les a tous massacrés. On n'a plus beaucoup de vie. Aussi. Et il fait sombre. Là, il fait vraiment beaucoup plus sombre que auparavant dans les épisodes de Fallout. Hein. Mais c'est normal, c'est parce que je ne peux pas mettre le mode en fait. Ah. What? 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 Vous avez tenu parole. Le temple de l'Union vous fera toujours bon accueil. Prenez ce plan en témoignage de notre gratitude. Ah, ça c'est cool. Ah. Ah. Ah yes. Oh punaise, vous pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir de la finir. Après tout ce temps. Oh les amis, je suis trop heureux. Ah mais, non, pas de râle. Bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Déjà, ce serait bien. Ce serait cool. Et je vais regarder si on a d'autres quêtes. Parce que du coup, je ne sais plus si j'en ai fait d'autres.
Je ne sais plus si j'en ai d'autres à faire. Donc, les amis, c'est pas grave. De toute manière, on se retrouvera pour de prochaines aventures dans Fallout 3. Là, bah, on vient de finir donc Chef d'État. J'ai fait 3 épisodes sur Chef d'État. Vous savez à peu près comment faut faire. Bon, si vous avez envie de vous avancer, vous tuez tout de suite tout le monde là-bas. Mais là, j'ai préféré le faire pendant le voyage. Et vraiment à la fin, comme ça, lui, je peux lui parler. Je désingue tout le monde. Je peux revenir. Paf, la quête est finie. On est tranquille. Mais voilà, c'était plutôt sympathique malgré tous les bugs qu'il y a eu sur cette quête. C'est vraiment assez embêtant. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Fallout 3. Salut à tous!